Oui, affirmatif, je l'entends, les bus sont 1351 à toi, voilà, je suis là sur ce Coutras, là, je suis en train de passer sur la rivière Lisle, en direction d'Abzac. Ok, Rémi, mais moi je suis en vais sur Libourne, là, je te suis régulièrement sur Internet, et ça fait un petit moment, mais écoute, tout en plaisir de t'attraper, et de faire connaître que ces supports ne sont pas là, parce que j'ai de la fréquentation de plus en plus sur le... Eh bien merci, ça fait plaisir. Là comme ça, c'est vrai que là, de toute façon le but c'est ça, hein, c'est de faire revenir le maximum de monde. Hein. Voilà, ben moi aussi là je vais prendre la direction de Libourne. Et là voilà, je suis en train de rentrer dans Abzac. Hein. Ah, j'ai pas mal de QRM là de Abzac, là je vous ai un petit peu perdu là tous les deux là. Ah voilà, là je commence à avoir un peu moins de QRM là. Ok, donc et toi Billy de 4, qu'est-ce que tu deviens là depuis? C'est vrai que ça fait bien 6 mois que je t'avais pas entendu, voire plus. Ah ouais, bon, de toute façon, le matériel, tu le gardes au chaud, hein, donc il n'y a pas de souci. Oui, la pièce est chauffée, il n'y a pas de problème. Ok, eh ben moi, côté matériel, au niveau du push, il y a eu du changement. Maintenant, j'ai un CRT 7009. Voilà, moi, bon, j'en suis content. Hein. Le CRT, c'est pas pareil. T'as plus ton 3009 là? Si, je l'ai toujours, il est passé au musée, quoi. J'ai quelques petits soucis avec là au niveau radio, au niveau micro. Au début je pensais que ça venait du micro, puis non apparemment ça venait du circuit. Bon peu importe. Du côté du boîtier pour les expéditions, le poste que j'avais dedans, c'est-à-dire le RCI, il se barre en sucette. Ça doit être le processeur ou un truc comme ça, quelque chose dans le genre. Ben du coup, là-dessus, cet été, j'ai à l'occasion du salon de Marennes qui s'est passé à Port-des-Barques, j'en ai profité pour acheter du matériel et du neuf, là, ce coup-ci. Et c'est pour ça que là, maintenant, je suis avec en mobile, comme pour les expéditions, avec le 7009. Disons qu'il y a un peu plus qu'il ne faudrait parce qu'il n'y a pas que l'appareil, il n'y a pas que le poste. Voilà, là je suis sur la nationale là, en direction, là je viens de sortir de quitter Abzac, là je suis en direction de Libourne. Là ça passe fort de ce côté-ci. Ah mais toi aussi là, toi ça fait beau, tu vois, mais les batteries, j'avais pas les batteries du micro là, un petit peu là, je suis rien là. Mais non, les batteries tiennent le coup, bon, ça a fonctionné. Putain oui,
Pourtant, hein, quand ça reste inactif comme ça pendant un certain temps, ça se décharge. Ouais, après, je contrôle les pieds, hein, mais bon, pour toi, ça ne fonctionnera pas. Bon, mais pour l'instant, on va laisser. Oh, mais généralement, ça coupe après une aide, je pense. Oui, j'ai loupé j'ai loupé le prénom. La station du Galgon, oui, vas-y en avant. Ah, si tout à l'heure je t'entendais bien là quand j'étais sur Coutras, là ce coup-ci là je t'ai complètement perdu là. Rémi, c'est moi qui t'appelle ? Ah, alors il y a une autre station là qui lance appel derrière. Ah, mais ça se trouve, ça doit être Barracuda qui est peut-être derrière dans le lointain. Ah, t'as ça Barracuda, est-ce que c'est toi qui es derrière ? Rémi, est-ce que tu copies Hervé ? Oui, Hervé, en avant. Ah, ben je suis toujours là, j'étais à Cadillon, maintenant je suis à Lyon. Ok, désolé, avec le rond-point, je peux pas tout faire en même temps. Eh ben, je prends aussi la route de Libourne. Tu t'en vas à Carrefour, c'est ça ? Ah non, pas du tout, j'ai rendez-vous dans Libourne. Ah zut, je dis ça parce que là, je prends la direction de Carrefour. Et t'as avec quoi comme poste 7009 ou 9009 ? 7009. Attends, j'ai pas compris. Je dis, il y a de beaux aériens ici, il y a une BIM 5 éléments et une verticale. Ça a l'air d'être de l'indicatif là. Je crois savoir de. Ouais, je crois savoir qui c'est, de qui tu parles. C'est Thierry Le Coyote. C'est pas loin du Renault, c'est ça ? C'est entre le Renault et le rond-point du Leclerc ou Intermarché, je sais pas. Ouais, le Leclerc, oui, c'est ça. Voilà, c'est le Coyote Thierry là qui est là. Ah non, je connais. Voilà, tu comprends pourquoi il passe aussi fort. Ah là je suis un peu dans le trou, là je suis la marche au hameau, je suis en train de passer le hameau la marche. Là je suis un petit peu dans le trou, pour le coup j'étais un peu perdu. Hein. Ok, bah tiens, il y a des travaux là par ici. Là. Il y a des travaux dans le coin. Et ben, en tout cas, ouais, Billy, je suis vraiment content de t'entendre parce que plusieurs EM m'ont demandé de tes nouvelles et tout ça. Ben, pas de nouvelles. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. On dit toujours ça. Mais bon, là, ça a l'air d'aller. Là, tout va bien. C'est juste le pro qui te prend énormément de temps, quoi. Ok, bonne journée à toi, bonne balade sur Libourne, à la prochaine. Salut, et puis salut à l'autre station qui est avec toi, j'ai pas noté l'indicatif. Allez, bye bye. Alors c'est Billy 24 qui, voilà, comme son indicatif, est sur le département 24. Ok, d'accord, et bien, bonne journée à Billy 24, une copie. Je sais pas. Billy 24, tu as les bonnes sur 1351 de. Ah, ça y est, mais c'est pas vrai ça. De l'autre station, la station de Galgon qui est en plein centre de Libourne. Moi, je l'entends juste. Je sais pas s'il m'entend lui. En tout cas, il est 73 de Billy 24, hein, qui est à Chevesine, hein, entre Sainte-Foy-la-Grande et Castillon. Hein. Voilà. S'il m'entend, mais il est super actif. Voilà, et puis, il est quand même au centre de Libourne. Hein. Voilà. Ok, bon, il a QRT.
Est-ce que des fois Barracuda serait pas dans le coin? Normalement si, aujourd'hui il est sur la région. Alors c'est Barracuda, c'est un mille pattes qui passe, tu l'attrapes à 60 km à la ronde. Alors normalement il devrait être entre Libourne et chez moi dans ces environs là, il est en train de charger là, ou vu l'heure je sais pas, il m'a dit qu'il devait charger à 10h30, bon vu l'heure je sais pas s'il a déjà repris la route. Ah ben les fêtes de Noël, ça va se passer au boulot, hein. Voilà, comme tous les ans, et puis voilà. Et tiens, pour t'en dire un peu plus sur Barracuda, la dernière fois, il était après la sortie 37, là-bas, sur l'autoroute, la 10, je l'ai perdu après, donc t'as vu le bout de route que ça fait, et cartonne le garçon, hein. Surtout en camion comme ça, c'est assez exceptionnel. Hein. Alors le poste c'est un CRT 9009, voilà qui développe quand même pas mal. Ok, ben toi là, il était temps parce que là je commence à te perdre. Là je suis toujours là en direction de Libourne. Je dois plus être très loin de Libourne. Et alors je t'envoie les bonnes 1351. Merci aussi pour ce petit contact. Bonne fête de Noël et à la prochaine là-dessus. Ok, il n'y a pas de soucis. Mais moi je te donne du jeu maintenant. Ça marche bien ton truc, ça fonctionne. Je t'entends toujours aussi bien, moi, il n'y a pas de soucis. À bientôt, Rémi. Et bien voilà, j'arrive justement au panneau Libourne. Voilà, les bosses sont 1351 à toi, bon pro, bonne fête de Noël et à la prochaine là-dessus. Merci, bye. Éventuellement, tu peux répondre.
écoute, Jean-Paul, je sais que tu as parlé, mais malheureusement, je ne te connais pas. Break. Ah ouais, Jean-Paul, je suis dans le même cas, hein, pour Daniel, encore. Break. Bonjour à vous, c'est les amitiés, Roméo Juliette 294, Jean-Claude de Sur Bordeaux, proximité du pont d'Aquitaine. Je vous fais le micro, Fredo. Bien, bonjour, Jean-Paul. Oh, ça fait longtemps que je vous connais, oui. Oui. Mais moi, ça fait longtemps aussi que j'avais quitté les hommes. Mais le voilà de retour, on se connaît, oui, mais il y a fort longtemps, comme on dit. Oh, ça passe bien, un petit signal. Break. Qu'est-ce qu'il a dit, retour Jean-Paul? Oui, excusez-moi, je me suis trompé entre Jean-Paul et Jean-Claude. Retour Jean-Claude. Merci, Félix, pour le retour. Bon, mais c'est pas été, c'est pas été. Bon, je demande qu'à la radio, mais comme je disais précédemment, là, je ne suis pas spécialement bien sur vous, hein, mais le problème des antennes directives, c'est ça. Hein. Ce qu'on entend d'un côté, on n'entend pas, sur l'autre. Malheureusement, je n'ai plus de domaine directionnel. Et je n'en remettais pas. Donc, par conséquent, il faudra faire avec. Voilà. Heureusement que j'ai pas trop de QRM, ça me permet de vous entendre, et les uns et les autres, en posant une cote balcanée. Et je vous rassure, ça s'arrangera. Dans les mois à venir, ça s'arrangera. Voilà. Allez, Daniel, retour à toi. Oui, merci Jean-Claude. Oui, bonjour Fredo, j'ai 73 à toi aussi, hein. 14 de l'air 64, donc 33 en fixe. Voilà. Ok, oui, non mais c'est bon Jean-Claude, pour moi c'est du cuiron là, donc je t'entends parfaitement bien. Oui, j'ai compris que Jean-Paul s'était arrêté faire du carburant, voilà. Donc voilà, il rentre sur son cuiron, là. Il était sur la 62, et ok Jean-Claude. Daniel, je te remercie pour le PSP. Mais écoute, manifestement, j'ai eu des nouvelles et tout le monde vient rentrer samedi. Tu pourras aller voir sur le site, il y a des photos. Voilà, je t'en dis pas davantage. Ok. On va faire le retour à Fredo. Break. Ok, les motions 13-51 à l'équipe, de la part de 14 ODR 002, opérateur Rémi, QTH Sainte-Colombe. Salut Rémi, je m'en doutais que c'était toi que t'allais venir. Amitié de la part de Fredo. Ok Fredo, le même, parce qu'il y en a plusieurs Fredo, le Fredo que j'ai sur le forum. Enregistrer le break, j'ai intérêt à me méfier, sinon je vais me faire modérer, là, pour le coup. Hachis trois coups. Oui, enregistrer le break, oui. Oh, ça y est, tout le monde arrive. Il y en a qui ont les oreilles ouvertes, là. Retour à toi, l'ami. Ok, bon, Daniel, je vois que là, ça y est, là, t'es opérationnel, là, ça marche. C'est vrai que dommage qu'on ne peut pas monter l'antenne plus haute, sinon, c'est vrai, il faudrait l'obanner. Et mettre entre autres des haubans du côté voisin, même pour que ça tienne bien, quoi. Hachi. Et je rêve, lui, il m'entend pas. Oui, Rémi, ici, il est bien le 73. Non, mais je t'entends moins fort que vendredi soir, là, Rémi. Bien le bonsoir à toi, hein, voilà. Je t'entends beaucoup moins fort, par contre, oui, tu disais qu'il y avait une station aussi de Lot-et-Garonne qui était derrière, mais lui, par contre, je n'entends pas, hein, parce que déjà, toi, c'est limite ce soir, là, et voilà, hein, donc même Fredo, bon, il passe par-dessus le QRM, j'ai le même point hein, de QRM, Fred, Rémi, j'ai toujours 7 points de QRM, là, hein, donc voilà. Mais il y a Jean-Claude aussi de Bordeaux, hein, ok, Jean-Claude, retour pour l'ensemble du groupe.
On ne t'entend pas. Bon, Jean-Claude a dû avoir d'autres occupations. Ok, Rémi, voilà. Oui, ok. J'ai agrandi un petit peu le trou là, de la pastille micro, là. Enfin, de la façade micro. Est-ce que c'est mieux au niveau de la radio? Ah mais moi c'est toujours été bien, hein. D'ailleurs là, si tu le permets, là je fais en ce moment là une petite vidéo, si tu le permets pas, je l'arrête, je supprime de suite, Hachi, tu verras là ce que ça donne, c'est très propre, c'est très net, ça passe vraiment bien. Hein. Break, break, break. Oui, break en avant. Ok, bonjour à tous, là. Bonjour Daniel là, de Saint-Médard, ici c'est 14, bravo pour vous 17 Bernard, je suis en contact l'autre jour avec toi là quand tu faisais tes essais, j'ai entendu qu'il y avait Rémi, j'ai entendu un nommé Jean-Claude, j'ai entendu Fredo Saint-Émilion, j'ai entendu, puis voilà ce que j'ai entendu, donc bonjour à tous. Salut Bernard. Salut Bernard. Salut Rémi, ça va? Oui, ben, tu sais Rémi, j'étais pour voir, pour commander mon truc en Italie, malheureusement, pas moyen de rappeler sur le site, alors j'ai appelé au téléphone et puis ça va s'arranger. D'accord, ok. Ouais, hier j'avais soulevé une question justement. Au niveau garantie, comment ça se passe en cas de problème? C'est là la question piège, je crois. Au niveau de quoi? De la garantie. Non, ils garantissent tout, c'est une boutique IAZU là-bas, carrément. Ils vendent que du IAZU et c'est carrément la boutique. Hein. Ils ont 34 ans d'existence, même plus, je crois qu'ils ont démarré en 84. Ils sont bien, moi j'ai été tout regardé, hein, je suis méfiant. Hein. J'ai regardé même le remplacement avec Google Maps, tout, je suis rentré dans le magasin par l'intermédiaire de Google, moi. J'ai été tout regardé. Leur page Facebook, tout, non, il y a les garanties, tu leur envoies s'il y a un problème. Et puis ils font comme partout, en dessous de 100 euros, ils font la réparation. Ils font pas la réparation si c'est en garantie, et si c'est en garantie, ben, ils le prennent en garantie complètement, et même avec la modif. Ok, attends, je laisse parler un peu. Ok, ouais, j'ai l'impression qu'il t'a pas entendu parler. Ok, d'accord, non, parce que je pensais que c'est suivant les pays, il y avait des lois qui influençaient un petit peu au niveau des garanties, que c'était pas forcément toujours les mêmes, quoi. Ça, c'était surtout à ce niveau-là que j'avais un doute. Il va marcher tout le restant du temps. Hein. En principe, oui, 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 non, mais c'est sûr, tu as raison. Et ouais, au niveau RX, il n'y a pas de problème, c'est couverture toute bande. Hein. Tu peux aller d'une traite, si tu as du temps à perdre, à tourner avec le gros bouton là depuis depuis très bas jusqu'à 30 quelque chose, puis après, bon, bah, tu as le 50 mégas qui suit après. Quoi. On commence à discuter tous les deux, mais les autres ils vont dire pour les mains, oui, quoi, on compte, hein. Alors j'espère que vous m'entendez tous, ça va, hein. Autrement je vous entendais tous, excusez-moi, Rémi, on reprend la conversation après, mais ça m'intéresse beaucoup cette conversation. On va la suivre ensuite, hein, on va changer de canal peut-être. Ok, Fredo, de Saint-Morillon, si tu me confies, je te connais ici, le signal de 4, une radio de 5, Daniel Saint-Médard, toujours pareil, 3, 4, là, le signal radio 4, 5, Jean-Claude, qui était tout à l'heure avec une directive, je te connais à 4, 5, radio 5, et voilà. Comme ça déjà, je vous ai dit qu'on va vous passer ici, ce qui veut dire que moi je vous entends, que vous ne m'entendez pas, et bien tant pis pour moi. Voilà, je repasse le micro éventuellement sur Fredo. Non mais c'est pas Daniel Santos, si je passe jamais ici, les autres ont joué aussi, mais comme il disait tout à l'heure, les mecs quand même plus de choses, ils arrivent, ils disent bonjour, puis après ils se tapent leur incruste, mais bon, c'est le nouveau type, c'est normal, la chie pour ça. Break, break les stations, break, à moi le tour. Il y a un break, guys.